Et bonjour à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Starfield. La dernière fois, on a enfin compris comment fonctionnait le scan. Allez, on a fallu du temps, hein. Et donc cette fois-ci, on va explorer cet endroit. Vous voyez, il y a des trucs chelous partout. Je peux grimper là-dedans, c'est quoi hein? Je sais pas. On aura un autre truc là-bas, 500 mètres. Ah ouais, vous voyez ça, on en voit depuis le début. Et je pouvais pas les scanner, et maintenant je peux. C'est, je sais pas pourquoi. 13%. 25%. 28%. Vous voyez, il faut en scanner beaucoup. Jusqu'à arriver au 100%, j'ai vu une bestiole là-bas. Sinon, ça ne vous valide pas les choses. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'orimorphe, le fameux. Il se scanne ou pas ce machin? Apparemment non. Le temps que je trouve la mine, que je la pose, il m'a donné deux coups, ciao. Ça va être difficile si je mets des bestioles de ce niveau dès maintenant. Vous avez vu que mes armes n'y ont fait aucun dégât. Hein. Aïe. Mais... ils sont complètement cons dans le jeu. Pas la faire, hein. Je saute dans la lave. Ah, les caisses.
Ah, il n'y a pas un objet explosif à lui faire péter à la tronche. Hein. Va dans la lave, va dans la lave. Je ne veux pas aller dans la lave. La vache. Il faut que je fasse gaffe à mon oxygène. Tu peux pas te préparer toi, t'es sérieux? Je lui fais 0 dégâts, je peux pas soigner mon ami le robot. Bon, prendre de la vie, hein. Est-ce que ça m'a soigné? Un petit peu. Elle meurt. Voilà, vache. Que 147 points d'XP. C'est tout. Je me suis fait arnaquer. Bon, on l'a eu, hein. Allez, j'ai pas lâché l'affaire. Là, j'ai vraiment plus rien. Le pont, j'ai préféré pas l'approcher au pont parce que vu les dégâts qu'il faisait,
j'ai plus rien. Par contre, pourquoi j'ai plus mon pistolet hein? J'ai vraiment plus rien. Allez, la découpeuse, c'est la vie, hein, les amis. Oh, il y a tout ce qu'il fallait ici. Qu'est-ce que c'est? Bon, excusez-moi, je recharge mes armes. Bon, celle-ci, je peux pas. On a des exemples. Je viens de choper des munitions. Pas grave. J'ai déjà visité un peu tout ce qu'il y a à l'extérieur, hein, d'espoir de trouver des choses utiles parce que je me suis fait éclater. Bon, ça a fait partir la faune qu'il y avait. Hein. Pistolet à agrafe. Ah ouais, ça aurait été pratique pour le remorque, le pistolet à agrafe. Sérieux, bon, du soin c'est cool. Y a pas de... Du steak, du céleri, y a pas de munitions qui traînent. Le début du jeu, on affronte une grosse spéciale, ils nous donnent rien. Ah, ils nous ont donné un jus d'orange. Je te déplace là, il m'en faut un, deux, trois. Ce serait toi. Toi, t'es pas bon. Bon, nulle part d'ailleurs. J'avoue que celui-ci me donne beaucoup de mal. Alors, on recommence. Toi, tu sers à rien. Toi, tu es bon. Ok. Donc, il me faut les deux du bas et celui-là. Ok. Ensuite. Voilà. Je commence à piger le coup. Excusez-moi, ça prend du temps. Vous inquiétez pas. Alors ça, c'est un truc qui sera moudé dans très peu de temps. Parce que les gens, ça va les gonfler. Comme les gens, ça va les gonfler dans... Wow.
matin. D'accord, je comprenais pas. Alors la combinaison, on prend tout. Voilà. Donc si j'ai bien compris, j'ai récupéré la combinaison. Mais ça n'a rien changé. Ah quoi? Merci pour les munitions. Ça c'est important, c'est meilleur. Ok, désolé, hein, je sais que c'est chiant comme vous voyez faire ça. Mais depuis tout à l'heure, je chope des munitions qui me servent à rien. Alors on va dormir, histoire de récupérer toute notre vie. Hein. Voilà. Hyper important les amis, franchement, pour économiser des ressources, dormez. Hein. Ok, alors j'ai encore ça à visiter et ça, on va déjà aller là. Non, là j'ai été, il n'y a rien, excusez-moi. Alors la bestiole, c'est normal, j'ai pas pu la scanner, c'est une bestiole créée en laboratoire, elle fait pas partie de la faune de la planète, hein, donc forcément. Des plantoirs, non. Du saumon fumé dans une boîte. Et c'est tout. C'est un peu la loose hein, quand même. Alors je trouve bien le côté immersif où voilà on a des ça c'est tout, hein, c'est cool mais... Pack de sushi. Ah ouais, je vais être pris le poisson avec la lave à côté. Hein. Ouais, ça c'est bien, ça va faire une arme. Bien, alors il me semblait qu'il y avait un autre truc à visiter pas très loin. Il y a ça, 500 mètres. Voilà, c'est celui-là. Il y a une grotte. Sûr qu'on va y aller. Alors, bien entendu, on cherche toujours des traces de vie et compagnie sur le chemin. Bon, on fera pas la planète à 100%. Hein. Là, on visite les endroits indiqués par le scan. Hein, mais... Je sais que vous attaquez. Alors au gros. L'herbivore on l'a eu. Alors on peut donc même si on trouve des cadavres de bestioles les scanner. Ça c'est bon à savoir aussi. Là, il y a une structure.
Close F. Quelque chose. Je me suis pris un geyser. J'attends un peu. Ah, mon oxygène remonte. Il m'en faudra encore un de trilobite et je pense que ça sera bon. J'ai découvert la grotte mais j'ai pas trouvé l'entrée. Il y a des gens. Salut. Je ne prends pas les gens en photo. Oh là ! Oh mais... Oh, vous m'avez foutu les jetons. Je croise jamais personne dans le coin. Tu sais que c'est dangereux dans le coin ? J'essaie de faire des photos pour un concours. C'était ça ou un autre bol de Crocs. Si l'endroit vous plaît, vous aimerez peut-être le dernier que j'ai visité. Attends, par. S'il vous plaît, ne me gênez pas dans mon travail. La flotte écarlate ne... Robot, casse-toi. Mais... S'il vous plaît, reculez. Oh, putain. J'ai besoin d'espace. Parfait. Mais moi, je veux voir si tu me vends quelque chose. Je ne prends pas les gens en photo. S'il vous plaît, ne me gênez pas dans mon travail. Vous avez fait une énorme erreur. C'est sans espoir. Je me casse. Exosquelette. Voilà. C'est ça de... Romeo. Bon, par contre, voilà, la grotte. Ah, je voulais juste savoir si, si elle vendait quelque chose et tout. Mais alors, si vous vous trompez de ligne de dialogue, c'est fini. Vous pouvez plus parler avec les personnages. On peut pas, hein. Vraiment pas. Je
pense que c'est plus tard dans le jeu. Bon, c'est vraiment une grotte, on voit rien, c'est... Ah ben non, je les connais. Mais ils étaient morts. C'est un bug. Ça, je peux pas le récupérer apparemment pour l'instant. Et c'est tout ce qu'il y a? Je peux pas scanner le trilobite. C'est nul, c'est une arnaque. Deux trilobites, il m'a manqué hein, pour réussir à avoir la bestiole, et ben je peux pas. Alors, scan, il y avait quelque chose par là, il me semble. Structure à 500 mètres ici, c'est avant pas scientifique, ok on s'en fout. Excavation, on s'en fout. Ouais, je sais pas. Le trilobite. Voilà. Bien, il ne manque plus que les gros. Là-bas il n'y a rien, donc il nous reste la structure ici. Et je pense qu'on aura fait le tour. Donc il nous manque une ressource. La bestiole, on sait ce que c'est, mais il faut tomber dessus. Par contre, les plantes, on n'a pas vu grand-chose, les amis. C'est des herbivores. Naturel, ben on ira aussi hein. On va déjà aller là. Ah oui c'est vrai, j'ai trop de trucs sur moi. Le robot il est pas là. J'ai obligé d'attendre. Quand je marche, vous voyez, c'est le niaque. Ça y est, te voilà. Nous devons atteindre le système d'... Je prendrai bien soin de votre matériel, capitaine. Et intérêt, ouais. Alors, arme. Coucher où? Attends, hein. Faut pas que je fasse de bêtises. Toi, je peux te le donner. Ça... peut... Ah, il peut plus rien prendre, super. On va jeter, tant pis. Hein. Comment je jette déjà? C'est pas par là. Ouf. Ah, le jeu vous laisse prendre absolument tout ce que vous voulez, hein, mais... jeter ces X. Voilà. C'est comme de dégâts. Hein. Il faut encore que je perde 30 kilos. Hein. Ah, mais ça vaut 3000 balles quand même. Hein. Thank you.
80 kilos. Quand je perds un kilo. Ah. Et il devient urgent de trouver un marchand. Hein. Mon scan, parce que du coup je sais plus où je dois aller, c'est quoi, structure, c'est ça. Et après l'autre, ce sera là-bas. Oui. Hyper naturel. C'est le niveau. Alors, niveau. Donc on en a mis un ici, et bon, on va passer. Ah bah j'en ai un partout, ok. Bon, bah, on va passer à combat. Bon, laser, on l'a, c'est bien. Il n'y a pas de niveau normalement. Balistique. J'espère que dans une structure on trouve un marchand. Bon, un peu ce qu'ils vendent, combien ça rapporte des éléments qu'on récupère. Ouais, on sort plus d'oxygène quand même. Hein. Il a une bonne endurance ce personnage, mais dès que vous êtes dans le rouge, par contre, il ne sert plus à rien. Dangereux ça. C'était un œil, hein.
sur 1 surcharge. Oh. Vraiment, on a besoin de trouver des gens, hein. Je suis déjà venu ici. Je sais pas. S'il y avait une boîte de soie ouverte. Ligneur, bah oui, simplement. Désert. Ça ne sert à rien pour l'instant. Sous le museau, on va en prendre. Hein. Des mochis, c'est bon ça. Carré de pizza, et ça ne parle même pas. C'est reparti. Il y en a 4, donc à mon avis... L'inventaire, franchement, c'est un gros problème dès le début du jeu. Hein. Parce que si dès le début du jeu, votre inventaire il est plein comme ça à chaque fois... Moi je pensais qu'on aurait trouvé régulièrement des comme dans Cyberpunk des boîtes où on aurait pu vendre nos objets en fait. Et là je trouve pas de marchand, je trouve pas de machin. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah, c'est lobby ça.
Ah, je prends rien, je peux plus rien prendre aussi. Ça, ça sert à rien. Ok, alors le repère naturel, c'est le dernier truc à voir. Ah, bon, quoi. Ah. Voilà. Il est là. Voilà, alors ça, c'est l'objectif pour la prochaine vidéo, les amis, le repère naturel. J'espère franchement qu'on va vite trouver un marchand parce que ça devient quand même handicapant dans le jeu, hein, voilà. Je vous souhaite une excellente journée les amis, likez-moi un maximum cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me donner vos conseils, vos astuces pour le jeu, pour... Je prends peut-être du matos qui sert à rien, je sais pas encore. Donc ça vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Allez, bye bye et portez-vous bien.